Et salut à tous et bienvenue donc pour ce 34e épisode, j'allais dire de l'horreur, mais non, on n'est pas chez les Assari non plus. Donc 34e épisode, je ne sais plus ce qu'on était censé faire. Depuis combien de temps vous portez l'uniforme, caporal? J'ai fait 3 campagnes. C'est allé de pire en pire, mais le capitaine nous sort toujours de là. Oui, je crois qu'on devait aller... Non mais pas, il est mort le fils de, du Primarque. Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'on doit aller voir, et je sais plus du tout ce qu'on doit faire, mais on va découvrir tout ça. Les radiations interdisent l'accès à la plupart du réseau. Les points chauds présentent un danger mortel. La description d'un traitement pour les brûlures chimiques, c'est plutôt détaillé. J'imagine qu'il faut pas que je descende. Pas que je descende. Oui, il fallait que j'aille voir Riley. Il faut qu'on contourne les radiations, soldat. Capitaine Riley, au rapport, commandant. C'est un honneur. On a pu accéder au journal du réacteur et on a trouvé ça. Commandant, le capitaine Riley m'a demandé de scanner le bâtiment. C'est un système à réacteur double, donc vous allez devoir vous séparer en 2 équipes. Bien reçu. Les barres de combustible des 2 réacteurs doivent être déverrouillées avant de redémarrer. Votre chemin est actuellement bloqué. Le second du capitaine Riley fait tout pour dégager les obstacles au plus vite. Merci pour l'info. Oui, capitaine. Bon boulot, Kozlo. Contournement effectué, commandant. C'est bon, je m'en charge. On fait face à un ennemi inconnu, capitaine. Menez votre escouade au réacteur 2. Gardez le contact radio. Entendu. On vous couvre tant que nécessaire. Je suis pas mort de suite tout à l'heure. Là, j'ai pas de mille pieds que mort, direct. D'accord. Alors. Escouade 2 en mouvement, commandant. Bonne chance, capitaine. Il y avait une centaine de turiens stationnés ici. Et là, rien. D'après les registres de la station, 107 turiens occupaient la station lorsqu'on a perdu le contact. Ça me met encore plus la rage. Restez attentifs. J'ai pas du tout compris ce que j'ai fait. C'est pour des sous-sous dans la popoche, donc ça sert à rien, on s'en fout. Ah, mais c'est ça que je bouge en fait. Ah d'accord, c'était Gardus que je voyais à l'écran. Ouais, et après? Et ça change quoi? Chiant. Moi, est-ce qu'il faut que j'arrive à le poser pendant qu'il est en train de tourner? Peut pas. Bon, mais ça me dit pas ce qu'il faut faire de plus. Ouais, ouais, c'est l'instant de kill, hein. Bah, ok, pas tout compris. Je comprends rien ce qu'il faut faire.
Putain, mais c'est quoi cette mission? On nous explique rien là. Oui, ça j'avais compris qu'il fallait que j'aille là-bas, mais je peux pas y aller tout de suite. Ça a bugué parce qu'il nous dit de voie dégagée la première fois qu'on le fait et puis finalement il n'y a rien de dégagé du tout là. Ah c'est toujours fermé là. Je piche que dalle. Ah, si, j'ai compris. Oh, il y a des fois, franchement, je suis pas... Mais non, mais pas, parce qu'il veut pas se déplacer quand il... Ah si, ah bah voilà. Un peu d'abord quand même hein. Je remis pas à quel point j'y étais pas du tout quoi, t'avais vraiment rien compris. De toute façon vu que j'achète rien et trop de crédit je m'en fous un peu, mais j'ai bien fait d'aller fouiller. Bon là ça pue les ennemis à gogo hein, vu le nombre de munitions qu'il y a au sol. Que ça allait être des furies là j'ai l'air moins content là.
mais des générateurs de boucliers qui sont de partout là. Mais oh. Pas un petit boss. Dis coucou. Il n'y a pas de boss. Même pas m'avoir aussi facilement, non? Vous êtes ok pour l'instant, commandant. Impossible de contacter le capitaine Riley. Icarus? Rien, commandant. Personne ne répond à mes appels. Mais je détecte un mouvement vers le point d'évacuation. Terminez le redémarrage et on se retrouve là-bas ensuite. Je le fais. Il n'y a pas un mode qui traîne dans le réacteur, on sait jamais, hein? Du coup, faut que je rejoue avec l'ordinateur. Les commandes. Après, je me doute que je pouvais très bien passer par en bas, hein, mais... Moi, là, c'est un chemin que je connais. Un peu plus long, mais un peu plus sûr. Allez, hop! Et c'est tout? C'est du bon travail. Retournez aux navettes. Bon. Il y avait plus passionnant comme mission secondaire en tout cas. Du bon boulot, Shepard. Sans ce dépôt, ce théâtre d'opération serait compromis. Quelles sont les chances que les moissonneurs reviennent? J'assigne une unité pour faire tourner le complexe et le défendre. Si l'ennemi revient, on sera prêt à le recevoir. Je lis le rapport du capitaine Riley. Sans vous, elle et son groupe ne s'en seraient pas tirés. Y a pas de quoi. Je vous tiens au courant de l'évolution. Enquête terminée. C'est bon ça. Ah
Ouais, c'est que j'en ai récupéré plein sur les... sur les dernières planètes que j'ai fait là. Putain, je suis à fond, et je suis à fond. On va les éclater, les moissonneurs, ça va être trop bon. Alors, est-ce que le fait que je sois à fond, c'est je suis vraiment à fond, ou parce que j'imagine que je vais quand même encore récupérer des unités, puisque je vais donner mes artefacts que j'ai récupérés au personnel de la citadelle. Commandant. Donc du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen d'être à 150%, 200%? En tout cas, ça c'est fait. Donc on a tout fait à 100%, on peut se barrer, on va acheter un peu de carburant. Non, ça va, c'est 131, ça devrait aller pour le prochain saut. Donc la citadelle, on est d'accord. Lui, il m'énerve cette planète là à clignoter, mais qu'il n'y a rien. On peut pas y rentrer. Bon, en tout cas 100% des ressources récupérées, donc logiquement il n'y a pas de souci. Donc 100%, 100%, 100%, 100%. Là, y a rien, 100%. C'est quoi ce petit système là? Ah, peut-être juste des points de passage, ouais. Je pense que de toute façon, il me semble qu'il n'y a rien dans ce secteur là. Il n'y a pas de ressources à découvrir. Quelque chose. Voilà qui me fait mentir. Voilà qui me fait beaucoup mentir. Hong Kong. Hey, salut. SOSLM réussi. T'as en plus que 28%, donc ce qui veut dire que la ressource y en a là. Il y a qu'à 4 systèmes. Signal confirmé. Putain, il faut pas la rater celui-là. Hein. C'est là même de sortir et de rentrer à l'autre, il ressort direct sur la planète là. Oula, c'est que du monde là, dis donc. Ah, en fait, c'est plus rapide de tourner quand on scanne pas. Okay. Faut pas le dire avant. Leipzig. C'est une ville ça aussi, il me semble, Leipzig. Genre en Autriche ou quoi. Esquive réussi. C'est devenu compliqué en même temps. Signal confirmé. Putain, il était loin pourtant le scanner là. Bon.
Ah, c'est quand même plus rapide comme ça, sérieux. 50%, ça m'aurait étonné. Ah. Moissonneur évité. Ouais, mettez-moi plus loin encore. Ouais, ça va être un peu chaud là, le moissonneur est juste à côté lui par contre. Hein. On y croit ? Esquive réussi. Ça pour du carburant. Moissonneur évité. Voilà. Bon, ça c'est fait. Nexus d'Hadès, c'est réglé. Là, peut-être qu'il y a quelque chose. Normalement, c'est là où il y a Ranok, il me semble. Ou alors Ranok, c'est à côté. Donc ici, j'ai pas fouillé. Il me semble que le système de Ranok, j'ai fouillé. De toute façon, il y avait que le système de Ranok. Donc. Après, je me dis, c'est même pas une planète qui a quelque chose. Donc. Certainement que le système n'a rien. Ouais, non, je crois que l'avoir déjà fait celui-là. Ça me parle d'histoire de maths, où justement, là, c'est pas un secteur de contrôlé par les moissonneurs, mais pourtant que sur le système de maths, il y a quand même des moissonneurs. Et lui, il me semble qu'on l'a déjà fait quand même, il y a un sacré bout de temps et il n'y avait rien. Hein. Et après, ben, on file à la citadelle. Hein. Ouais, ça me parle cette histoire là de... Ouais, c'est bon, on va sauter. Hein. On va quand même aller voir Mulaxul, soyons fous. Là, il n'y a même pas de moissonneur. Ouais, non, c'est bon, il n'y a rien. Comment gaspiller 300 unités de carburant. On va en acheter un peu d'ailleurs. On a 360 000 quand même. Hein. J'ai arrondi ça à 400 000. Bon, ouais, il manque quand même 40 000 pour arrondir à 400 000. Hein. C'est pas comme s'il manquait que 4 000. Bah go la citadelle alors hein, du coup. Et il nous reste 10 minutes. Donc là, on va avoir pas mal de gens à aller visiter, hein, du coup. Ok pour l'amarrage, Normandie. Vous avez besoin d'un transport ? Non, merci. Je m'en charge. Oui, commandant. Alors là, on a plein de monde à voir, normalement. J'ai trouvé des disques de données protéines sur Garvug. Je vais vous les faire porter. Commandant Shepard ? Merci. La planète pour gagner de l'argent. Il a traîné avec des types. Les camps de réfugiés de la citadelle consomment beaucoup de ressources. Il était survolté. Il avait trouvé une organisation qui paye bien. Shepard, si ça vous dit, je me disais qu'on pourrait se faire un truc amusant pour une fois. Content de vous voir, Shepard. Vous pensez à quoi ? À quelque chose qui n'implique pas de combattre des moissonneurs. Je crois pas qu'ils aient encore atteint le bar. Je vous confirme que non. Mais en même temps, si ça doit être mon dernier jour, je crois que j'aimerais autant m'en souvenir. Et alors ? Alors ? J'avais une idée. J'ai bien aimé comme ils ont mis le son du truc, mais en fait le truc s'est même pas mis à voler ou quoi que ce soit, c'était toujours l'image fixe. Là où on ne devrait pas aller. Certaines choses ne changent pas, pas vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez absolument faire avant de mourir, Shepard? Trop occupé à survivre. Et vous? Quand je travaillais au SSC, à chaque fois que je regardais le sommet du Présidium, je me disais,
Je veux aller là-haut. Mais je ne l'ai jamais fait. 137 règles différentes me l'interdisaient. Vous les avez fait changer ? Non. Mais maintenant, je m'en fous. Je me suis dit que c'était le moment de déconner un bon coup. C'est sans doute l'occasion ou jamais. C'est un peu plus animé que ce que j'imaginais. On pique une tête dans la piscine ? Putain. Vous avez jamais vu nager un Turien, vous ? Des gesticulations, beaucoup d'éclaboussures et un peu de noyade. Vu la armure qu'il porte. C'est vrai que je vous sauve encore la peau. Juste retour des choses pour toutes les fois où j'ai sauvé la vôtre. Noveria, Féros, Ilos. On en a traversé les choses. Ah ouais, je parle. C'est à ça qu'on reconnaît ses vrais amis. Ce sont pas ceux qui cherchent à fuir par tous les moyens. Ce sont ceux qui restent à vos côtés quoi qu'il arrive. Ceux qui ne vous abandonnent pas. J'ai la chance d'avoir un ami de ce genre. Moi pas aussi. Qu'un, quand même, depuis le premier épisode, on en a d'autres, quand même. Vous n'allez Yara, pas Tali. Demander en mariage, non? Bon, avant de partir, il y a une chose que nous devons régler, une bonne fois pour toutes. Qui est le meilleur snipe? Je sais que vous savez bien vous servir d'un flingue, mais moi, je suis capable de les faire danser. Alors on va voir qui de nous deux tire le mieux. Quelques personnes m'ont vu en action dans cette galaxie, Garus. Elles avaient l'air impressionnées. Ouais, mais je vous ai déjà vu danser, Shepard. C'était moche. D'accord, Vakarian. Prêt pour la leçon? J'espère que je peux sauvegarder, parce que sinon ça va vite être de la foirade, là. Entraînement, au cas où vous rateriez. C'était une cible facile, histoire de vous mettre en confiance. À longue portée, je suis le maître. Aucun être vivant n'en fait autant. Même pas le commandant Shepard. Allez-y, franchement. J'ai dit allez-y, franchement. Écartez-vous. Allez-y. Aucun être vivant, peut-être. Mais techniquement, je suis morte. Allez, sonne pas, celle-là. Bon, la prochaine fois, on fera un lâcher de Clixen en furie. C'est comme ça qu'on différencie les bleus des pros. Et c'est sympa cette petite mission. Encore merci, commandant. J'apprécie votre aide. Vraiment sympatoche. Status, un moment, s'il vous plaît. Donc on va pas rencontrer la série tout de suite, hein, mais... On va d'abord faire tout le tour qu'il faut faire. Veuillez m'excuser, commandant Shepard. Si vous me promettez de faire attention, j'ai quelque chose pour vous. Un fragment de code des moissonneurs. Oui, je peux m'en servir pour prédire les résultats de leur processus stratégique. Nous pourrions sauver quelque chose. Insistant. Humain, je dois vous parler au nom de mon peuple. Qu'est-ce qu'il y a ? Triste. Dekuna, ma planète. Les moissonneurs sont arrivés. Triste. Nos guerriers sont assiégés, mais vos forces peuvent les secourir. Insistant, s'il vous plaît, toutes les autres races nous ont laissé tomber. Comment putain, ça c'est des salauds, ouais. Fier. En plus, ils ont une bonne tête, je trouve. Une infanterie assistée par IV. Nos soldats transportent au combat des armes lourdes sur le dos. Fier et honteux à la fois. Nos ennemis nous appellent des tanks sur pattes. Et pire encore. J'imagine. J'irai chercher le Normandie dès qu'on aura du temps. Soulagé. Merci. Ouais, donc avant d'aller voir la conseillère à série, on ira les sauver. On pourra évacuer quelques civils quand vos forces arriveront. Inquiet.
j'attendrai ici. Pitié, faites vite. Des Kunas se meurent. Bah, la terre aussi, hein, mon grand. Mais j'aime bien leur tête, j'aime bien la façon dont ils parlent. Donc il faut aller dans le bureau à Udina pour rencontrer le conseil, donc ce que je ne ferai pas cette fois-ci. Salut Shepard, on se sent plus en sécurité quand tout le monde semble marcher dans du coton, ou dans mon cas, en boitant. Je me demande si on n'a pas changé pour de bon. Le futur s'assombrit pour tout le monde. Vous avez... On est deux Shepard. Je vais voir si j'ai pas raté des objets en mission pour les acheter maintenant. Certainement que c'est le cas. C'est quoi ça? Terminal de messagerie. Il était pas actif celui-là. Ravi de voir que vous allez bien, Shepard. Miranda, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas vous voir en personne. La citadelle est trop dangereuse. J'ai appris pour la tentative de putsch. Oui. Grâce à Kai Leng, Udina a presque pris le pouvoir. Kai Leng? Cet enfoiré est encore en vie? Oui, il est vivant et il se mêle de tout. Ça complique tout. Je vais tâcher d'être prudente. Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais ce qui est arrivé à ma sœur. Elle est où? Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que mon père était responsable. S'il lui a fait quoi que ce soit, je vous jure, je le tue. Miranda... Shepard, écoutez. Des assassins de Cerberus en ont après moi. Et ils sont nombreux. Je dois faire profil bas. Sur quoi? Pourquoi? J'ai entendu une rumeur selon laquelle mon père manigancerait quelque chose pour l'homme trouble. Un gros coup. Pourquoi votre père irait travailler avec l'homme trouble, surtout maintenant? Tout ce que mon père veut, c'est préserver son héritage. Son héritage? Il est obsédé par l'idée de laisser sa trace dans l'histoire, d'assurer la pérennité de sa dynastie. Et vous croyez que l'homme trouble lui a fait une offre? Exactement. Quoi que votre père fasse, c'est forcément mauvais. Il faut qu'on règle ça. Je suis d'accord, mais... il faut que je fasse ça moi-même. Il est temps que j'arrête de fuir mon père. Vraiment? Oui. Je n'aurai pas les idées claires tant qu'Ori ne sera pas en sécurité. Ah, maintenant qu'on est le premier de sa sœur. Soyez... Je ne peux pas vous le promettre. Vous pourriez, vous? Non. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a à récupérer? Bah ouais. Hein. Donc ça c'est fait. Bon, en tout cas les amis, la vidéo est bientôt finie. Mais d'ailleurs, c'est en train de me le dire. Hein. Voilà. Hop. Donc, j'espère que ça vous aura mieux plu. Hein. Comme vous avez vu, j'étais en train de téléphone, donc j'ai reçu des messages. C'est pour ça que je suis un peu obnubilé par le téléphone. J'espère que ça vous aura bien plu. Donc bon, vous savez que pour le prochain épisode, ben, on va se faire un petit tour de la citadelle encore. On ira sauver. Donc, c'est pas les Alcor, parce que les Alcor, il me semble que c'est des petits bonhommes qui ont du mal à respirer. Non, je crois que c'est des gros. Je sais plus. Enfin, bref, en tout cas, on ira les sauver à eux. On ira sauver la sœur de Miranda aussi, certainement notre mission qu'on va découvrir au passage. Et puis, ben, on pas le nom, mais il me semble que c'est lui là, le corps. Et puis voilà, donc hein, et après on viendra beaucoup plus tard voir la série. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, et amusez-vous bien.